Une divine révélation du paradis. Par Mary Catherine Baxter. Deuxième partie. Entrepôt de guérison. Ayant remarqué que les yeux de Jésus avaient l'air troublés, je demandais, « Jésus, qu'est-ce que c'est ?»« Enfant, regarde. » Il orienta sa main vers un building où je vis une large ouverture. À partir de l'ouverture, gloire et puissance s'échappaient en volutes et de puissance flottante coulaient de là. Je lui demandais encore, « Jésus, qu'est-ce que c'est ?» Enfant, vois-tu les guérisons dans ces entrepôts? Oui, Seigneur. Toutes ces bénédictions attendent le peuple de Dieu. Les souffrances dans cette vie sont évidemment tragiques. Combien de maladies, de souffrances, d'afflictions physiques, de malformations et de gens malades souffrent ici? Tu les rencontres partout. Fais simplement un aller et retour dans les couloirs de n'importe quel hôpital ou grand centre médical. Visite le blog de maladies contagieuses, l'aile des maladies mentales, la section des soins intensifs, la salle des urgences, et autres places où l'on prend soin des personnes qui souffrent terriblement et qui sont dans un agonie physique et mentale insupportable. La maladie est le résultat de la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. C'est l'un des conséquences du péché. Certains voient la maladie comme étant un ennui, une tragédie de la condition humaine, ou juste comme faisant partie d'une existence normale. En réalité, c'est une malédiction de Satan. Guérison au paradis. Le besoin de guérison est accablant. La maladie est la corruption de la volonté de Dieu. C'est un élément non naturel dans l'économie de Dieu. Elle ne tire pas son origine de Dieu, elle ne vient pas du paradis. Le péché vient source maléfique, non d'une bonne source. Lorsque nous arriverons au paradis, toute maladie, malaise et souffrance disparaîtront pour toujours. Paul écrit concernant l'ultime rédemption de nos corps. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8:18-19. La pire des souffrances physiques possibles dans cette vie n'est pas digne d'aucune comparaison avec la gloire excédente et merveilleuse qui sera reçue après cette vie. Au paradis ayant des corps parfaits, nous nous reposerons en Christ, n'ayant plus de douleurs ou d'afflictions physiques. Cependant, il veut aussi que nous soyons guéris maintenant. L'un des noms de Dieu dans la Bible, Jéhovah Rapha, qui signifie « le Seigneur, celui qui nous guérit ». Dieu fit une alliance spéciale de guérison avec son peuple. Il promit à Israël. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15:26. Bien que la maladie soit une partie de la malédiction du péché, Jésus a enlevé la malédiction des croyants à travers son expiation du péché. Les blessures et meurtrissures que Christ a souffert ont payé le prix du péché. Il devint notre sauveur. Cependant, ces souffrances firent plus que juste de payer pour nos péchés, cela établit et authentifia Jésus comme guérisseur. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Jésus, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2:24. La guérison est pour aujourd'hui. Le ministère de guérison de Christ n'a pas cessé lorsqu'il fut enlevé de ses disciples pour le paradis. Les actes des apôtres sont la continuation de tout ce que Jésus commença à faire et à enseigner, Actes 1:1. Jésus modela un ministère de guérison sur terre et enseigna que cette guérison est part entière des bénéfices du royaume. Avant qu'il retournât vers son Père, Jésus instruit les croyants à aller et de guérir les malades. Il dit, « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point, ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Marc 16:17-18. Jésus nous dit aussi, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14:13-15. Christ semblait avoir disparu, et je marchais avec l'ange parmi les entrepôts. Je pense avoir vu tellement d'entrepôts, Seigneur. Jésus parla à mon esprit, enfant, lorsque tu pries pour quelqu'un sur terre, prie pour eux en mon nom.
Souviens-toi que tu ne fais pas la guérison, je le fais. Demande-moi de guérir un œil ou un pied, et je le ferai. Demande-moi de redresser des jambes atrophiées ou de guérir des corps malades, et je les guérirai. Quoi que ce soit que vous voulez que je fasse, demandez en mon nom, et je le ferai. J'ai des réponses qui attendent dans ces entrepôts. Jésus insista sur le fait que les bénédictions qui se trouvaient dans les entrepôts étaient pour son peuple et pour les pécheurs sur terre. Je me souvins qu'il dit que très bientôt il y aurait une avalanche de guérisons dans le monde. Je pensais aux guérisons qui étaient en train d'avoir lieu sur terre et je pensais, Seigneur, que c'est merveilleux. Le fait que tu répares nos cœurs. Au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, nos corps commencent à se dégrader ou à se détériorer. Ceci c'est l'effet naturel du péché, et nous ne serons jamais complètement libres de ses conséquences. Mais Dieu ne désire pas que l'on passe nos derniers jours alités et non effectifs. Il veut nous rendre actifs et productifs. Jésus mourut afin que nous soyons restaurés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, versa son sang afin que nous puissions être sauvés de l'enfer. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, donc nous avons l'espoir. L'espoir pour nos âmes est en Jésus. Jésus-Christ a souffert pour la guérison de nos corps. Nos privilèges, nos bénédictions, et nos espoirs pour la restauration et le bien-être sont en Jésus. Il est l'espoir pour notre bien-être physique. Saint, il y a des entrepôts de bénédictions non réclamés au paradis. Ils sont prêts à être donnés par le peuple de Dieu qui les demande avec foi et au nom de Jésus. Lorsqu'il était sur terre, le Seigneur dit, « Je vais préparer une place pour vous, Jean 14:2. » La place qu'il est en train de préparer est au paradis. C'est un bel endroit possédant plusieurs belles choses. Je donne mon témoignage dans ce livre et lorsque je parle du paradis, les pensées de cet endroit réjouissent mon âme. Dieu merci pour sa belle parole qu'il nous a donnée à nous, ses enfants. Ordre au paradis. Le paradis est un endroit très occupé. Il est rempli d'activités et d'excitations. Les anges sont toujours en train de vaquer à des occupations diverses, ils sont toujours engagés dans d'importants travaux d'entreprise. L'un des buts de ce livre est celui de vous dire comment je vis les anges travailler au paradis. Ils sont heureux et joyeux, jamais fatigués, et jamais tristes. Ils sont toujours en train de louer Dieu. Les saints rachetés sont aussi occupés au paradis. Ils ont toujours à faire. Exactement quel genre de travaux les saints font là-bas, je ne sais pas. Mais vous pouvez être sûr que personne n'est inactif dans cette plaisante terre. Les saints sont occupés à faire le genre de travaux que personne sur la terre n'a jamais expérimenté. Ils sont engagés dans la stimulation, l'euphorie, et l'accomplissement des travaux. Ils glorifient continuellement Dieu et faisant les choses que Dieu leur a préparées pour qu'ils fassent. Je vis les anges qui volaient de la terre avec des rapports, ils arrivaient au paradis, venant de tous les coins de la terre. Ils avaient été dans plusieurs services dans les églises et dans plusieurs réunions de prière. Pendant que j'observais les choses sur terre, ils tenaient toujours dans leurs mains de morceaux de papier blanc qui ressemblaient à des rouleaux qui avaient des bouts en or. Alors, je rentrais à certains endroits du paradis et partageais leurs rapports avec les autres anges. La population du paradis. À un endroit du paradis, je vis des hommes saints qui étaient vêtus de belles, glorieuses robes blanches. Immédiatement, cela me fit penser à cette écriture. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Ésaïe 61:10. Les gens que je vis au paradis avaient des traits distinctifs et venaient de toutes les nations de la terre. Les saintes écritures disent. Après ces choses, je vis, et voici, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et, ayant, des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7:9. Une autre chose qui me laissa une longue impression fut le fait que le paradis est un endroit tellement ordonné. Tout ce qui se faisait là-bas se faisait toujours complètement, proprement, et avec le plus haut degré d'excellence. Aucun travail n'était de mauvaise qualité, aucun produit n'était pauvre, et aucune activité n'était médiocre. Lorsque je vis des familles marcher le long des collines saintes et louant Dieu, cela fut une très belle vue. Leur joie et leur bonheur étaient sans limite et sans aucune restreinte. Ils semblaient être toujours en train d'aller faire des choses merveilleuses en la présence du Seigneur. Toutes choses, faites soit individuellement ou en groupe, étaient faites d'une façon ordonnée. Le paradis est complètement sans impureté ou imperfection. Il est parfait dans tous les sens du mot.
Toutes les altérations et les changements qui nous sommes familiers ici sur terre sont non existants dans le paradis de Dieu. Une joie et une paix parfaite remplit les cœurs, les esprits, et les corps de tous ceux qui sont là-bas. Ordre parfait. Un parfait ordre et objectif divin, caractérise tout ce qui se passe au paradis. Les anges et les saints tous deux sont continuellement engagés dans un service excellé et joyeux. Personne n'est oisif. Personne ne s'ennuie jamais. Les enfants de Dieu, aussi bien que les anges et toutes les créatures paradisiaques, servent Dieu jour et nuit éternellement. Lorsque nous recevrons de nouveaux corps célestes après la résurrection des saints, nous ne serons plus jamais fatigués ou ne serons plus jamais faibles. Nous ne connaîtrons plus jamais la fatigue. Nos surnaturels corps glorifiés ne perdront jamais leur force. En éternité, le temps est suspendu et les circonstances ne ravagent pas la pensée, la volonté, ou le corps. Pour être engagés dans les emplois et les joies du paradis, nous devons avoir une nature céleste. Et ceci c'est ce qui se passe lorsqu'on est né de nouveau. Nous devenons, participants de la divine nature, de Pierre 1 sur 4, comme Pierre l'a expliqué. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1 sur 3-4. L'architecture du paradis était faite et construite dans l'éternité passée par le Dieu éternel. Dans une partie, je vis ce qui semblait être un bloc entier de la cité du paradis. Les buildings étaient très larges, et à travers le dessus de chacun de ces buildings, se trouvait une grandiose, impressionnante couronne faite de plusieurs bijoux. Je ne sais pas le nombre de personnes qui occupaient ces grands buildings car je n'étais pas allé à l'intérieur de ces buildings. Mais ils étaient tout majestueux et spacieux, bien au-delà de quoi que ce soit que vous ayez jamais vu sur Terre. Je pensais à ce que les Écritures disaient que lorsqu'on travaille sur Terre pour Jésus, on amasse des trésors au paradis, Luc 18h22. Je me souvins de ces versets. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu, disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. » Apocalypse 11h16-18. Et il arriva aussi, un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche. Luc 6h23. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Apocalypse 22h12. Chariot de Dieu. Lorsque nous nous sommes déplacés à une autre partie du paradis, l'ange du Seigneur me dit, viens et vois la gloire de ton Dieu. L'ange me montra les chariots de Dieu. Les roues étaient si larges qu'elles sont si difficiles à décrire. Elles étaient décorées de diamants, de rubis précieux, et d'émeraudes. Chaque chariot avait au moins deux roues sur chaque côté. La devanture des chariots était basse et ouverte comme des traîneaux. Il semblait avoir l'air d'être en feu, mais il n'était jamais consommé. Corps de qualité. Les traits de tout ce que je vis au paradis étaient glorifiés et beaux. Même pas une seule personne n'avait aucune cicatrice, et ils étaient tout radieux et beaux. J'ai entendu des gens dire que, nous serons simplement une vapeur de fumée. Non, vous ne serez pas une vapeur de fumée. Vous aurez une forme et des traits humaines. La Bible dit qu'il y a des anciens autour du trône. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 4 sur 4. Les patriarches au paradis sont des beaux saints de Dieu qui sont morts et nous ont devancés. Dieu leur a donné la vie éternelle. Je les vis comme ils seront lorsqu'ils auront reçu leur nouveau, glorifié corps après la résurrection. Saints, vous serez incroyablement heureux au paradis. Lorsque j'étais au paradis, la mémoire de ma maison était très éloignée. Il n'y avait pas de tristesse là-bas, pas de douleur, et pas de chagrin. Je me réjouissais dans la joie du Seigneur et étais émerveillé par sa beauté. Il n'y avait pas d'obscurité au paradis. Il y avait seulement la gloire, et la majesté et la puissance partout, spécialement lorsque l'on s'approchait du trône. La rivière de vie coulait du dessous du trône, elle était belle et ressemblait à une mer de glace.
Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22:1. Comme je partais, l'ange dit, viens et vois la gloire de Dieu. Saint, j'étais emmené à très grande vitesse par l'ange à un endroit où les louanges à Dieu et la musique semblaient s'agrandir en intensité et en volume. C'était la plus belle musique que vous voudriez jamais entendre. Les sons de joie et des cris étaient partout. L'ange du Seigneur dit, nous approchons le trône. Je pensais, oh, Dieu, que c'est glorieux, que c'est joli. Lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle, il semble que 12 très larges anges, chacun d'eux ayant 12 à 15 pieds de taille, sont debout devant le trône. Oh la façon à laquelle ils jouent leurs trompettes. De beaux bijoux ornaient la devanture de leurs vêtements. La musique et tout ce qu'ils disent et font, ils influencent l'atmosphère. Ils semblent préparer le chemin pour que le Seigneur parle. Je pouvais voir un nuage épais enveloppant le puissant trône lorsque le Seigneur parlait ou proclamait un message. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, et, il y a, sept lampes de feu, brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 4:5. Alors la puissance se dégageait de l'avant du trône. Au milieu du trône, Dieu Tout-Puissant réside dans un nuage de gloire. Lorsque Dieu parla, sa voix résonnait comme plusieurs eaux, Apocalypse 14:2, mais j'entendis tout ce qu'il dit. Une fois que Dieu commença à parler du sang de son Fils. Il parla de comment le sang de son Fils fut versé pour tout le monde sur terre. Il dit que le sang de Jésus-Christ son Fils peut nous laver de tout péché, 1 Jean 1:7, et il offrit cette invitation. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse 22:17. Dieu a dit que le sang de son Fils a été versé pour racheter les hommes et les femmes de leurs péchés. Il dit qu'envoyer son Fils à la croix afin de nous donner la vie éternelle valait plus que tout, et que le sang de son Fils a payé le prix pour nous racheter. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce. Éphésiens 1:7. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1:14. Jésus-Christ, point qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1:5. Lorsque j'étais au paradis, cela était si émouvant et excitant d'entendre la voix de Dieu. Bien que cela était un puissant rugissement, la voix de Dieu était plaisante. Je pouvais comprendre tout ce qu'il disait. Je continuais à penser, « Oh, Dieu, qu'est-ce que tu es beau ! Tu as préparé toutes choses. Tu as fait toutes choses pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons même pas commencer à penser aux choses que tu as préparées pour nous qui t'aimons, 1 Corinthiens 2:9. Paradis, un endroit réel. Je me souvins avoir pensé, le paradis est réel. Les gens sont réels. Ces anges sont réels. Tout ceci sont beaux et réels, et un jour j'hériterai de ceci comme je continue à servir le Seigneur. Parler du paradis et de la splendeur de Dieu, c'est une joie pour moi. Je le remercie de tout mon cœur de pouvoir être à mesure de le servir. Je remercie Dieu du fait que Jésus a sauvé mon âme d'un enfer de désolation. Je remercie Dieu du fait que je suis né de nouveau, un enfant lavé par le sang du roi, et du fait que Jésus est mon Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu as besoin d'être sauvé de tes péchés. Tu as besoin de demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur et de sauver ton âme. Crois qu'il est le Fils de Dieu. Crois que Dieu le Père l'a envoyé sur cette terre, qu'il était né de Marie, une vierge, et qu'il est le Saint-Fils de Dieu le Père, envoyé pour nous racheter de l'enfer. La majorité d'entre nous, avons besoin de croire que Jésus a payé le seul sacrifice acceptable pour vos péchés lorsqu'il mourut sur la croix. C'est eux qui arrivent aux enfants. Au temps biblique, Jésus parla des petits-enfants. Il dit, et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Matthieu 19:14. Jésus dit aussi ces choses. En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit-enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18:3-4. Jésus dit aussi ces choses. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. Marc 10:15. Quiconque recevra l'un de tels petits enfants en mon nom, me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais c'est celui qui m'a envoyé. Marc 9:37. Il est aussi dit dans l'Ancien Testament.
Racontez-le à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à une autre génération. Joël 1 sur 3. Ces parties du paradis émerveillera beaucoup de gens. Plusieurs personnes ont critiqué ceci, mais je sais que Dieu me l'a montré. Cela se passa lors de l'un de mes voyages dans le paradis. Cela se fit avec le grand ange ayant de puissants ailes triangulaires de couleur de l'arc-en-ciel. L'ange était vêtu d'un vêtement blanc qui brillait, et ses cheveux étaient comme une boule d'or. Ses traits étaient beaux et glorieux. Lumière et puissance l'enveloppaient complètement. Il dit, « Viens et vois la gloire de Dieu. Dieu a dit que je dois te montrer l'endroit où les enfants s'en vont et ce qui leur arrive lorsqu'ils meurent. Je veux avant tout éclaircir quelque chose maintenant. Lorsque le Seigneur Jésus me montra l'enfer, je ne vis aucun enfant du tout là-bas. Il est n'apostrophe il n'y avait pas de petits-enfants ou de bébés en enfer que je puisse m'en souvenir. Ceci n'agréera sûrement pas avec les théories des autres gens, mais je vais vous dire ce que l'ange du Seigneur m'a montré sur le paradis et sur l'enfer, et sur l'endroit où vont les enfants. Je louais simplement Dieu et voyageais avec l'ange. Nous étions haut dans l'atmosphère lorsque nous nous sommes arrêtés et l'ange dit, « Je dois te montrer ces choses. » Souvenir. Lorsque j'étais avec l'ange du Seigneur, plusieurs choses dont je ne me souviens plus arrivèrent. Je n'étais pas permis de me souvenir de certaines de ces choses. Il y eut plusieurs événements qui arrivèrent pendant mes voyages, des choses qui m'avaient été montrées dont je ne puis me souvenir. Cependant, ce qui m'a été permis de me souvenir est assez pour me motiver de vous parler du paradis. Daniel eut une complète compréhension de toutes ses visions et rêves. Cependant, lorsque le Seigneur me prit dans le paradis, oh! Là-bas, il y avait une telle gloire et puissance. Des choses se passaient là-bas dont on ne m'avait pas expliqué, et j'étais seulement emmené à certains endroits du paradis. Pour moi, l'endroit le plus merveilleux fut celui des bébés et des petits-enfants. Bébés non accouchés. Lorsque l'ange de Dieu dit, viens et vois, il bougea sa main dans l'air, et une vision d'un hôpital apparut. Je vis une dame en salle de travail en train d'avoir un enfant. L'ange du Seigneur me dit, elle est en train de faire une fausse couche. Le bébé a seulement 3 mois. Comme je regardais la scène, 2 bels anges apparurent à côté de son lit. Dans leurs mains ils tenaient ce qui avait l'air d'être un panier fait de marbre blanc et de perles. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Il s'ouvrit au centre et se ferma sur chaque côté. Les anges louaient Dieu. Je pouvais les entendre. Lorsque la dame fit une fausse couche, l'esprit de l'enfant, comme une vapeur, s'éleva de ce tout petit bébé. Les anges de Dieu l'attrapèrent, le mirent dans le panier, et fermèrent le couvercle, et élevèrent leurs mains vers le paradis. Les anges commencèrent à élever des louanges au Seigneur. Ils l'acclamaient et l'exaltaient comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs, créateur de toutes choses au paradis et sur terre. Ils criaient à Dieu soit la gloire. Et lorsqu'ils nous passèrent, ils nous dirent encore, viens et vois. Nous sommes rentrés à travers la barrière dans le paradis. Oh, ceci semblait être le plus bel endroit du paradis. Je n'avais pas été dans cette partie du paradis ou à travers cette entrée. Je me souvins être parti avec l'ange à certains endroits au paradis. J'étais accompagné par l'ange qui m'escortait. Nous étions allés si haut que je pouvais voir le trône encore, et je pouvais entendre des cris et des louanges à Dieu. Cette fois-ci nous semblions approcher le trône du côté gauche du trône. Je me souvins venir de ce côté et pensant, « Oh Dieu, qu'est-ce que tu es beau! Que tu es merveilleux !» Les hautes louanges de Dieu et la gloire et les cris étaient partout. Savez-vous, les saintes Écritures parlent tellement des anges. Ceci sont quelques exemples. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Psaume 103 sur 20. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Psaume 34 sur 7. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre, et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Matthieu 28 sur 2-3. Jésus a parlé du fait qu'il avait été transporté au paradis par les anges. Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Luc 16h22. Ange de Dieu. Il y a plusieurs références aux anges dans la parole du Seigneur. J'étais justement en train de penser à quel point sa parole prouve les choses encore et encore. Mais lorsqu'une révélation est donnée à quelqu'un, sa parole apporte simplement plus de clarification sur la révélation. Mon principal appel principal en Dieu, ce sont les rêves, les visions, et les révélations.
Mon témoignage, c'est que je suis juste un instrument du Seigneur, et j'aime tout simplement raconter cette histoire concernant les enfants. Oh, la gloire que nous virent et les voix de louange que nous entendit. Autour du trône étaient des éclairs, du tonnerre, et l'arc-en-ciel. Il y avait l'image d'un homme à l'intérieur du nuage de gloire qui couvrait le trône. Les anges déposèrent le panier qu'ils portaient devant le trône et se prosternèrent. Les bouts de leurs ailes s'élevèrent. De cris, de gloire. Et des apostrophes, Alléluia. Et de Dieu soit loué. Résonnaient partout au paradis. Encore, il semblait que nous étions dans une arène grandiose. De larges anges jouaient des trompettes comme s'il annonçait quelque chose. Alors, je ne vis plus Dieu, mais je vis la similarité de Dieu comme Moïse vit. Voir Exode 33 sur 17-23. Puis je vis une main ouvrir le panier. Je suis sûr que c'était l'image de la main de Dieu. Mes chers, je vous dis, que si vous pouviez seulement voir la gloire et la puissance de Dieu telle qu'il me les a révélées. Sa puissance était si éclatante et belle, et merveilleuse. Je vis la main sortir du nuage et ouvrir le panier. Elle fit sortir la petite âme hors du panier et la déposa sur l'autel. Alors, je vis les mains commencer à travailler sur la petite âme. Lorsque le travail fut terminé, la plus belle, parfaite forme d'un humain commença à apparaître. Elle continua à se développer jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau jeune homme que j'ai jamais vu. Sous la garde de Dieu. Il n'y a aucun défaut ou marque du péché au paradis. L'écriture sur la création d'Adam me vint à la mémoire. Alors le Seigneur dit, il est apostrophe, il n'y a aucune imperfection dans cet endroit. Tout ce qui avait été perdu par le premier Adam a été restauré par le second Adam. J'ai cette ferme conviction que les seuls signes du péché au paradis doivent être les cicatrices sur les mains, les pieds et les côtes de Jésus. Ceci est le souvenir continuel et pour toujours que notre Seigneur béni a payé le prix pour notre rédemption. Alors je vis ce que je perçus être le dessus de la tête de Dieu, il ressemblait à de la laine, Apocalypse 1h14. Une transformation merveilleuse eut lieu lorsque Dieu souffla dans ce petit bébé, et il devint entière parfaite. Création. Les anges commencèrent à crier et à élever des louanges à Dieu. Comme je regardais ces puissantes manifestations de la puissance de Dieu, toutes les questions que j'ai jamais au sujet de ceux qui arrivaient aux bébés et enfants qui étaient décédés disparurent complètement. Maintenant je sais sans l'ombre d'aucun doute qu'ils sont entre les mains de Dieu, en train d'être perfectionnés. Alors l'ange et moi avons commencé à se déplacer vers le haut et encore plus haut sur le côté d'un endroit au paradis. Il y avait de beaux arbres partout qui portaient toutes sortes de fruits. Je vis tout genre de fleurs. Je pouvais voir tout genre d'oiseaux inclus certains que nous n'avons jamais vus avant. Oh, que la beauté du paradis est indescriptible. Nous sommes allés plus haut, à une autre partie. Je pouvais entendre des cris de gloire. Un large ange vêtu d'une longue robe blanche se tenait devant une barrière. Il était positionné derrière un bureau. Il prit un livre doré du bureau et le donna à un autre ange. L'ange qui reçut le livre l'ouvrit, et des rayons brillants, de lumière étincelante issus du livre et commencèrent à flasher. Ceci me fit penser à de millions de feux d'artifice allumés simultanément. Alors je vis des parents et des membres des familles commencer à se déplacer et à graviter vers certains individus. Ils commencèrent à crier, à bondir et à sauter. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, l'ange me dit, ces bien-aimés sont en train de reconnaître les membres de leur famille. Ceux qui avaient été séparés, paralysés, handicapés, ou qui étaient morts de façon prématurée étaient maintenant dans un état de perfection. Ils avaient été restaurés en entier. Au paradis, vous connaîtrez tout le monde. Vous connaîtrez Abraham, Isaac, et Jacob. Vous connaîtrez Moïse et tous les prophètes. Vous connaîtrez tous les disciples du Nouveau Testament. Vous connaîtrez chaque personne au paradis. Vous le saurez juste comme Dieu vous connaît, 1 Corinthiens 13h12. Vous aurez une connaissance très extensive. Les anges me dirent, viens. Tu es en train d'aller à l'intérieur de cette barrière. Ceci était la plus belle des barrières que je vis au paradis. Elle était conçue comme une barrière de jardin avec du bois aux alentours, mais elle était faite avec ce qui semblait être des pierres blanchâtres ou du marbre. De belles fleurs grandissaient tout autour d'elle. Nous étions entrés à l'intérieur de la barrière et fûmes témoins de toutes les merveilleuses réjouissances et de la réunion de toute la famille de Dieu. Une réunion paradisiaque. Le roi David sut très bien que lorsqu'un petit enfant meurt de manière prématurée pour une raison quelconque, que leurs âmes vont au paradis, où ils seraient réunis avec les membres de leur famille qui sont des croyants un jour. Lorsque son propre enfant, qui avait été conçu accidentellement lors d'une affaire adultère avec Bathsheba, mourut,
David se repentit sincèrement de son péché et fut certain que Dieu l'avait pardonné, psaume 32 sur 5. Dû au fait que David avait trouvé la paix en le fait qu'il passera l'éternité avec Dieu, voire psaume 23 sur 6, et qu'il reverrait son bébé garçon, 2 Samuel midi 23, il fut à mesure de consoler Bathsheba dans son chagrin. Ici, c'est le rapport biblique de l'incident. Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « Aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras pas, toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. » Et David supplia Dieu pour l'enfant, et David jeûna, et il alla et passa la nuit couché sur la terre. Et les anciens de sa maison se levèrent, et vinrent, vers lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas, et ne mangea pas le pain avec eux. Et il arriva, le septième jour, que l'enfant mourut, et les serviteurs de David craignirent de lui apprendre que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant était en vie, nous lui avons parlé, et il n'a pas écouté notre voix, et comment lui dirions-nous, l'enfant est mort. Il fera quelque mal. » Et David vit que ses serviteurs parlaient bas, et David comprit que l'enfant était mort, et David dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ? » Et ils dirent, « Il est mort. » Et David se leva de terre, et se lava et soignit, et changea de vêtements, et il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna, et il rentra dans sa maison, et demanda qu'on mît du pain devant lui, et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que tu fais? Tu as jeûné et tu as pleuré à cause de l'enfant, pendant qu'il était en vie, et quand l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il dit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait, l'Éternel me fera grâce, et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Pourrais-je le faire revenir encore? Moi, je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et David consola Bathsheba, sa femme. 2 Samuel midi 13-14, 16 à 24. Un ange du Seigneur me dit, à partir du temps de sa conception, un bébé est une âme éternelle. Si un enfant est avorté ou est sujet à une fausse couche, ou alors meurt, Dieu est au courant de cela. Il a demandé à ses anges de prendre soin d'eux. Nous transportons leurs petites âmes au paradis et Dieu les rend complets. Peu importe si l'enfant est avorté ou s'il meurt naturellement. Il est façonné et transformé en perfection par la main toute-puissante de Dieu. Si les parents de ces enfants vivent une vie juste en Jésus-Christ, lorsqu'ils arriveront au paradis, ils seront réunis et connaîtront précieux bien-aimés. Ils les rencontreront aux barrières de gloire. Adoration autour du trône. Maintenant, je bénis le Seigneur pour l'opportunité que j'ai eue de pouvoir mettre ma vision du paradis dans un livre. Cela brûlait continuellement dans mon cœur. Plusieurs personnes m'ont encouragé à mettre ce témoignage sur écrit et à partager la vision du paradis que Dieu m'a donnée. J'ai partagé la vision du paradis, ainsi que mes expériences de l'enfer, dans plusieurs églises où j'ai prêché. Je voudrais partager avec vous certaines autres scènes que j'ai vues paradis. Je veux que vous sachiez que le paradis est réel. Si vous avez perdu un bien-aimé, quelqu'un qui est allé avant vous au paradis, cette personne vous accueillera à la barrière de gloire. Je veux encourager votre cœur, parce qu'on a un espoir béni en Jésus-Christ. Il est parti au paradis pour nous préparer une place là-bas. Les anges que je vis au paradis semblaient être très larges et puissants. Ils étaient vêtus de robes brillantes, éclatantes qui projetaient une impressionnante quantité de lumière. Ils étaient puissants et sincères. Il était déterminé à obéir à Dieu. Il m'était évident que les anges puissants que je vis à chaque barrière de perles étaient des anges protecteurs. Lorsque je vis les épées sur le côté des anges, je pensais, bien, gloire à Dieu. Alléluia, Dieu protège sûrement ses enfants. Les anges de Dieu. Vous savez, la Bible parle tellement à propos des anges, avec plusieurs passages faisant référence à eux. C'est incroyable qu'on tente souvent à simplifier les choses que la parole de Dieu a prouvées encore et encore. Lorsqu'une révélation est donnée à quelqu'un, cependant, ceci semble apporter plus d'éclaircissement sur le sujet. Voici quelques exemples de ce que la Bible dit à propos des anges. Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Psaume 91 sur 11-12. L'Éternel, devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera prospérer ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Genèse 24h40. Is hostile another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud.
and a rainbow was on his head, his face was like the sun, and his feet like pillars of fire. Apocalypse 10:1. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Apocalypse 18:1. Car, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. Marc 12:25. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Luc 22:43. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 1:14. Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15:10. Une fois de plus, je fus permis d'entrer dans la barrière du paradis, et je me souviens que j'étais submergé par la sensation de paix et de joie qui sont là-bas. Oh, les glorieuses chansons et les louanges. Saint, je ne crois pas que quelqu'un puisse bien le décrire, parce que la terre n'a jamais connu une paix comme celle-ci. Depuis Éden, la terre n'a jamais expérimenté la paix, la joie, et le repos qui sont au paradis. Au paradis, il n'y a pas de maladie. Au paradis, il n'y a pas de chaise roulante. Au paradis, il n'y a pas de handicap. Au paradis, il n'y a pas des malaises. Tout est parfait et beau. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de péché, parce que Dieu ne permettra aucun péché d'entrer les barrières du paradis. Le grand spectacle. Avec les anges me guidant, nous nous déplacions très rapidement. Nous avons passé plusieurs arbres fruités qui poussaient à côté de la rivière de vie. Chacune d'elles portait des beaux fruits. Plus nous avancions, il me semblait que nous avons commencé à faire partir de la musique. À tout temps au paradis, j'entendais la musique, et c'était toujours une nouvelle musique. J'entendis de continuelles musiques de louange être élevées en honneur et en louange à Dieu. L'ange de Dieu me dit, nous allons devant le trône pour voir la louange de Dieu. Tout au long du chemin, il semblait comme si des centaines de personnes venaient de partout au paradis. Ils partaient adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'adoration au paradis. Plus nous avancions, il semblait que les centaines devenaient des milliers, et les milliers devenaient d'innombrables foules. Elles apparaissaient venant de différentes parties du paradis. Apparemment, nous sommes allés à type de large arène que Jean a décrit. Sur le champ je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était, assis, et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius, et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude, et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, et, il y a, sept lampes astérisques de feu, brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu, les 24 anciens tomberont, sur leur face, devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient, et qu'elles furent créées. Apocalypse 4:2-5, 10 à 11. Et les nuages, les plus beaux nuages qui se dégageaient de l'intérieur et de l'extérieur autour du trône. Des nuages ayant pratiquement la forme des champignons venant d'une explosion atomique, et chaque nuage était un mélange de gloire et de belles couleurs. Un éblouissant arc-en-ciel pour couronner le tout. Il est impossible d'imaginer l'intensité de la puissance de Dieu. Je suis dans mon cœur que l'image de l'homme que je vis dans les nuages était la représentation de Dieu. Il y a des milliers d'années, Dieu voulut faire un homme à son image, et il le fit. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Genèse 1:27. Dieu littéralement prit la poussière du sol et créa un homme. Imagine un peu la puissance de Dieu qui a dû être présente. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7. Alors, à cause du fait que Adam était seul, l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondît. Genèse 2:20, Dieu le mit dans un sommeil profond. Dieu ouvrit le côté d'Adam, enleva une côte d'Adam, et forma une femme de cela. Dieu forma Ève, la compagne de vie et l'amie d'Adam, qui était aussi faite à l'image de Dieu, Genèse 1:27.
qu'est-ce qu'une grande gloire avait été donnée à l'être humain d'être fait à l'image de Dieu. Préparé pour le roi. Les témoignages de la louange céleste montrent la beauté et la sainteté de Dieu. Lorsque nous arrivions à l'endroit de l'assemblée, je pouvais voir les gens et les anges partout. J'étais impressionné par le fait que tout était fait en ordre. Partout, les gens et les anges louaient Dieu. La rivière de vie coulait sortant du trône de Dieu. Elle était semblable à une mer de glace, à une mer de cristal, mais elle coulait. Alors, saint, une fois de plus je vis des chevaux. De grands, blancs, magnifiques chevaux qui avaient l'air d'être faits de marbre. Ils étaient beaux et sans aucun défaut sur aucun d'eux. Ils étaient élégants, comme les pièces d'échecs, mais ils étaient physiquement réels. Les couvertures blanches du dos des chevaux étaient nettement taillées et avaient des bouts en or. Des rênes dorées étaient dans les bouches des chevaux. Ils avaient des ornements sur leurs pieds et même sur la brosse de leur queue. Ces chevaux étaient debout en alerte devant le trône. Je remarquai que les 12 anges debout devant le trône avaient des trompettes et des cornes musicales à leur côté. Leurs vêtements flottants et brillants étaient décorés d'or et imprégnés de gros rubis et de toutes sortes d'immenses pierres. Soudainement, je vis plusieurs instruments musicaux. C'étaient des instruments les plus spectaculaires que vous ne vous êtes jamais imaginé avoir vus. Oh, la beauté du paradis! Il y avait plusieurs harpes. Je regardais pour voir qui était stationné à ces instruments musicaux. Je pensais, oh, gloire à Dieu! Alléluia! Appel à la louange! Alors, saint, le Saint-Esprit me montra clairement quelque chose. La dame qui était au milieu du groupe de chevaux resta immobile. Alors les anges devant le trône, chacun en ordre, prit la trompette ou la corne à son côté et commença à jouer. Lorsqu'ils soufflèrent ces cornes hauts, les sons de joie et de hautes louanges qui s'élevèrent. Quelqu'un au paradis proclama à haute voix. C'est maintenant le temps de louer le roi des rois et le seigneur des seigneurs pour ses actes glorieux et sa glorieuse puissance au peuple de la terre. Il est temps de lui donner de hautes louanges, de l'adorer dans les chants et les danses, de l'adorer avec la musique, et de l'adorer pour sa bonté. Il est Dieu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le rédempteur de l'humanité. Lorsqu'il annonçait ces choses, saint, les trompettes résonnaient. Alors l'ange qui lisait le rouleau s'arrêta, et un signal fut donné. Immédiatement, ces chevaux magnifiques se prosternèrent tous sur leurs genoux. Leurs têtes s'abaissèrent tous en une rangée en guise de louange au nom du Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus se ploient tous genoux des êtres célestes, et terrestres, et infernaux. Philippiens 2h10. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles. Apocalypse 5h13. Les chevaux commencèrent donc à tourner et à prance devant le Seigneur. Ils firent toutes sortes de choses pour magnifier, louer et adorer Dieu. Si seulement vous avez pu le voir. Et Dieu était satisfait de leur louange à lui. Motivation à louer. Saint, je ne pense pas que nous réalisons à quel point Dieu aime nos louanges. Lorsque nous traversons des moments difficiles, les brisements de cœur, et les chagrins, Dieu veut qu'on le loue. Nous devons le louer non pas pour les difficultés, mais plutôt parce que nous l'aimons. Lorsque nous le louons, nous semblons le faire pour lui, non pas pour nous-mêmes. Lorsque nous le louons pour les grandes choses qu'il a fait pour nous, nous détournons notre attention de nous et la focalisons sur Dieu. Dans le processus de commencer la louange, nous nous réalisons du fait qu'il est celui qui peut résoudre les problèmes dans lesquels on se trouve, et nous pouvons lui faire confiance qu'il viendra à notre aide. Alors, bénéficions cependant lorsque nous louons et adorons sincèrement le Seigneur. Accolade de louange. À ce moment, tous les musiciens célestes commencèrent à jouer, et un autre groupe d'adorateurs vinrent. Des milliers de voix chantaient en l'honneur et louange à Jésus. Les sons de cris joyeux s'élevèrent. Il y avait des sonnets partout au paradis. Pendant des heures, semblait-il, les louanges résonnèrent à Dieu. Que c'est beau d'entendre et d'être au milieu des louanges à Dieu. Là, au milieu de la résonance, des sons aussi magnifiques, la terre me semblait si éloignée de moi. Les chagrins et les troubles semblaient si éloignés. Les horreurs de l'enfer semblaient très éloignées. Ma mission donnée par Dieu. Cependant, je suis à l'intérieur de moi que j'avais quelque chose à faire pour Dieu. L'ange de Dieu me toucha, et la force vint en moi. Il me dit, « Enfant, Dieu a permis de voir ces choses afin que tu puisses les dire et les enregistrer.
Des révélations et des visions et des rêves sont donnés afin de faire savoir aux gens de la terre les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. 1 Corinthiens 2 sur 9, Deutéronomie 7 sur 9. Alors, saint, j'ai entendu la voix de Dieu. Juste le son de sa voix me remplit d'extase. Elle résonnait comme le tonnerre, mais je pouvais entendre ce qu'il disait. Je me prosternais et commençais à louer et à adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les Écritures célestes. Lorsque j'étais de retour sur terre et que je commençais à méditer sur plusieurs merveilleuses choses que Dieu m'avait montrées, je regardais dans la parole de Dieu. Il me semblait que toutes les pages je tournais, je pouvais lire quelques concernant le paradis et la majesté de Dieu. Je voudrais partager ces quelques écritures de ces versets avec vous. Tu es le même, toi seul, ô Éternel, tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elle. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Néhémie 9 sur 6. Dieu n'est-il pas aussi haut que les cieux? Regarde le fait des étoiles, combien elles sont élevées. Les nuages l'enveloppent, et il ne voit pas, il se promène dans la voûte des cieux. Job 22h12-14. Car il a regardé des lieux hauts de sa sainteté, des cieux l'Éternel a considéré la terre. Psaume 102 sur 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Psaume 103 sur 19. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est haut élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Psaume 148 sur 13. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'Assemblée universelle. Hébreux midi 22. Créature sainte au paradis. Ceci est un vrai rapport d'une expérience qui m'est arrivée. Une fois encore, l'ange du Seigneur vint vers moi et dit, « Regarde la gloire de ton Dieu. » Je fus transporté instantanément dans le paradis et à travers l'une des barrières dans le paradis. Chaque barrière était faite de perles exquises, ayant des dessins gravés à l'intérieur. La beauté du paradis est stupéfiante. Nous avons passé la rivière de vie, et je pouvais entendre des gens crier sur les rives et louant Dieu. Je fus transporté devant le trône de Dieu comme il est décrit dans le quatrième chapitre d'Apocalypse. Oh, quel cri et quelle louange! Saint, je vis le trône de Dieu, il était exactement comme l'a décrit les saintes Écritures. Il a un arc-en-ciel tout autour. Il était recouvert de nuages de gloire et par la brillance de la puissance de Dieu. J'entendis des voix, je vis des éclairs, et j'entendis le tonnerre. Je vis les divines manifestations de la puissance de Dieu. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, et, il y a, sept lampes astérisques de feu, brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu, et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône et alentour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. Apocalypse 4 sur 5-6. Comme je regardais, j'entendis la multiplication des voix de plusieurs anges autour du trône. Le nombre des anges là-bas était inestimable. Puis je vis les créatures célestes et les vieillards. Il y avait quatre créatures célestes et 24 vieillards. Cette scène était aussi décrite par Jean dans Apocalypse. Et je vis, et j'ouïs une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Apocalypse 5h11. Et tous les anges se tenaient alentour du trône et des anciens et des quatre animaux, et ils tombèrent sur leur face devant le trône, et rendirent hommage à Dieu. Apocalypse 7h11. Les créatures vivantes. Particulièrement à ce voyage au trône de Dieu, je vis les quatre créatures vivantes qui sont devant le trône de Dieu. Ces créatures que je vis autour du trône étaient celles écrites à propos dans la parole de Dieu. Toutes les créatures célestes ont de grands yeux, certains à l'avant, et d'autres à l'arrière. Elles pouvaient voir. Devant elles et derrière elles. Elles étaient très larges et comparées à rien que j'ai jamais vu sur terre. Chacune d'elles avait six ailes. L'une avait la face d'un lion. La deuxième avait la face semblable à celle d'un veau. La troisième créature vivante avait la face semblable à celle d'un homme. Imagine, si tu peux, une très géante créature avec six ailes. Cela ayant la face d'un homme. La quatrième créature vivante était comme un aigle volant. Toutes ces fascinantes créatures étaient constamment en train de crier, « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant !» Vu que j'avais jamais auparavant vu aucune créature qui les ressemblait en apparence, elles me semblaient très étranges. Je sus, cependant, que Dieu avait créé ces saintes créatures au paradis. Je louais Dieu pour ses actes puissants et sa toute-puissance.
Dieu est un Dieu magnifique. Comme je regardais ces créatures, elles commencèrent à louer et à adorer Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que vous compreniez qu'après que je vis les créatures vivantes de Dieu dans ma vision, que je fis une étude sur elles et découvris la description étonnante par Jean de ce dont j'avais été témoin dans Apocalypse. Ceci est comment Jean les décrivit. Et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône et alentour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal, semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont, tout autour et au-dedans, pleins d'yeux, et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui était, et qui vient. Apocalypse 4:6-8. La tâche des créatures vivantes. La Bible nous parle de ces créatures vivantes et de leurs tâches. Elles rendent continuellement louange et honneur à Dieu. Ensemble avec les 24 vieillards, adorer le Seigneur est leur occupation principale. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont, tout autour et au-dedans, pleins d'yeux, et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui était, et qui vient. Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont, sur leur face, devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient. Et qu'elles furent créées. Apocalypse 4:8-11. Et il chante un cantique nouveau, disant, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5:9-10. Et je vis, et jouis une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles. Et les quatre animaux disaient, Amen. Et les anciens tombèrent, sur leur face, et rendirent hommage. Apocalypse 5:11-14. Et tous les anges se tenaient à l'entour du trône et des anciens et des quatre animaux, et ils tombèrent sur leur face devant le trône, et rendirent hommage à Dieu, disant, Amen. La bénédiction, et la gloire, et la sagesse, et l'action de grâce, et l'honneur, et la puissance, et la force, à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 7:11-12. Et les 24 anciens et les quatre animaux tombèrent, sur leur face, et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant, Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves et vous qui le craignez, petits et grands. Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Apocalypse 19:4-6. Autres tâches des créatures vivantes sont aussi décrites dans Apocalypse. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les 24 anciens tombèrent, sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5:8. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre, Viens, et vois. Apocalypse 6:1. Et les sept anges qui avaient les sept plaies sortiront du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceinture d'or. Et l'un des quatre animaux donna aux sept anges cette coupe d'or, pleine du courroux de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent consommées. Apocalypse 15:6-8. Je vis une multitude innombrable d'anges comme ils commençaient à louer le Seigneur.
j'entendis et expérimentai l'inoubliable scène lorsque les vieillards autour du trône se joignirent. Moi aussi, je me joins à la louange du roi, et je pensais, oh, que c'est glorieux de voir la puissance du Dieu Tout-Puissant. Les gloires du paradis. Lorsque Jésus me révéla le paradis, je fus pris là-bas pour 10 visites par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Cela arriva immédiatement après le temps pendant lequel il me montra l'enfer. Les visites divines commencèrent pendant la saison de la Pâque. Jésus m'apparut de 2h du matin à 5h du matin. Chaque nuit pendant 30 nuits, me montrant la destination de ceux qu'il rejette. Avant que je voie le paradis, il m'emmena dans le centre de la terre et me montra la résidence des morts. J'ai écrit une divine révélation de l'enfer, livre dans lequel j'ai relaté mes expériences en enfer. Après ces 30 voyages dans les profondeurs des horreurs, pendant 10 nuits, Jésus me montra le paradis et ses gloires. En plus, j'eus plusieurs visites du Seigneur. Ceci est un vrai rapport de ce qui m'est arrivé. L'Esprit du Dieu vivant m'a révélé tout ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Jésus-Christ m'embarqua dans ses voyages, j'étais fasciné par ce qu'au paradis, il n'y a pas de douleur, pas de mort, et pas de chagrin. Au paradis, seulement la joie, la paix, la gaieté, et les fruits de l'esprit sont partout. J'étais fasciné par les anges de Dieu qui s'y trouvaient par milliers. Certains avaient des ailes, certains n'en avaient pas. Je remarquai à chacun de mes voyages au paradis que les anges étaient toujours occupés. Les anges exécutaient des tâches et s'occupaient constamment des détails. Il me semblait que chaque ange avait un devoir particulier et certains travaux à faire. Mais tous étaient toujours en train de louer Dieu et exécutaient leurs tâches avec joie continuellement. Tous les anges sont constamment occupés à leurs tâches. Par exemple, lorsque de nouvelles âmes arrivent au paradis, les anges les accueillent et les conduisent immédiatement à travers la rivière de vie. Les anges escortent les nouvelles âmes vers un endroit où d'autres anges les revêtent avec des robes de justice. Alors, les guides angéliques les emmènent à la pièce des couronnes, où chaque personne reçoit une couronne. Toutes ces choses sont faites dans un bel et parfait ordre. Les anges sont parfaitement contents pendant qu'ils font ces tâches. Je ne vis jamais aucune cloche au paradis, mais je les ai entendues sonner constamment. L'on me dit qu'à chaque fois qu'une cloche sonne, cela signifie qu'une âme sur terre venait juste d'être sauvée. Ceci c'est ce qu'on appelle les gloires du paradis. Les fournitures célestes. Je remarquai que pendant tous mes voyages au paradis, je vis de belles tables. Je ne sais pas comment les décrire de manière adéquate. Quelquefois sur Terre, j'ai vu des victoriens ou d'autres styles de fournitures ayant des dessins élaborés sur les pièces. Vous avez sûrement eu à voir de si jolies pièces, comme une table contre le côté d'un mur en marchant ou une table sur laquelle est posé un vase ou un livre. Bien, au paradis, je vis des tables comme celle-ci partout, à l'exception que celle-ci était dessinée et faite de manière encore plus exquise. Il y avait aussi des livres aussi bien que d'autres choses partout. L'enregistrement céleste. Saint, faites attention au fait que à chaque fois que vous donnez de l'argent, à chaque fois que vous payez les dîmes, toute chose que vous faites pour la gloire de Dieu est enregistrée au paradis. Je me souviens très bien de ceci parce que lorsque le Seigneur m'a montré sa gloire et sa puissance, cela fit une impression qui ne sera jamais effacée de ma mémoire. Pendant mes voyages, je remarquai que plusieurs anges arrivaient au paradis avec des rapports venant de toute la terre. Ils partaient à une certaine pièce ayant un ange d'enregistrement en charge. L'ange messager lisait le rapport, et l'ange qui enregistrait lui demandait « Es-tu un témoin ? As-tu vu ceci se dérouler ?» Lorsque le rapport était confirmé, il était entré dans un livre. Ces livres étaient éventuellement emmenés au trône de Dieu. Mais premièrement, ils devaient aller à travers un processus spécial. Je me rappelle vivement que l'Esprit du Seigneur se déplace continuellement au paradis. Ceci était plus grand que quoi que ce soit sur terre. Les choses sur terre sont une copie des choses au paradis, mais les choses de la terre ne peuvent être qu'une réflexion ombragée des choses du paradis. D'incroyables musiques, d'ininterrompues louanges, et autres gloires que la terre ne puisse jamais imaginer abondent au paradis. Dieu veut que les gens le louent. Du commencement de Genèse à la fin d'Apocalypse, Dieu exprime son désir pour qu'une famille l'aime. Lorsque vous lisez ce livre, souvenez-vous que le paradis est une place que Dieu a préparée pour ceux qu'il aime. Un jour j'irai là-bas. Un jour, vous irez là-bas si vous êtes né de nouveau, si vous vous êtes repenti de vos péchés, et si vous avez Jésus-Christ dans vos cœurs. Il peut vous laver de vos péchés à travers son sang précieux. Laissez-moi vous parler du sang de l'agneau, du précieux sang de Jésus. Le sang qui nettoie.
Avant, j'ai décrit la salle de rapport, mais maintenant, je veux décrire un autre aspect. Un nombre d'anges sont assis dans une certaine section des pièces de rapport. Ils ont des seaux dorés devant eux. Ceci est aussi une partie des gloires du paradis. En face des anges, ils y avaient des piles de livres. Certains des écrits dans les livres semblaient être des messages venant de la terre. Chaque message devait être par un large ange d'enregistrement. Je vis deux autres anges qui ramenaient des messages de la terre. Il y avait à nouveau un message à chaque fois que quelqu'un était né de nouveau, ayant été vraiment sauvé de ses péchés en acceptant Jésus-Christ dans son cœur. Lorsque quelqu'un se repent sincèrement de ses péchés et demande à Jésus d'être son sauveur et Seigneur, cela est enregistré que cette personne a donné sa vie au Seigneur. Les anges avec les seaux dorés chacun prit un livre de la pile. Chaque ange tenait dans sa main ce qui avait l'air d'un tissu trempé de sang. Le tissu rouge était mélangé avec gloire, lumière, et puissance. Cela n'était pas du tout horrible, cela était beau. Chaque ange positionnait le livre sélectionné devant lui, et, commençant à la première page, il effaçait les rapports écrits avec le tissu taché de sang. Avec la direction de Dieu, l'ange effaçait l'ancienne histoire du pécheur et enregistrait que lui ou elle venait juste d'être né de nouveau. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Ésaïe 43 sur 25. Cher enfant, la parole de Dieu est vraie. Dieu pardonne vraiment nos péchés. C'était si beau de voir les anges laver les pages. Alléluia, Dieu essuie proprement les ardoises de chacun de nous. Lorsque je regardais cette chose glorieuse, j'entendis les saints dans la gloire chanter. Oh, rien mais le sang de Jésus ne peut laver mes péchés. Oh, rien mais le sang de Jésus ne peut me rendre entier aujourd'hui. Oh, rien mais le sang de Jésus ne peut me nettoyer aujourd'hui. Et alors, j'entendis les anges chanter cette chanson. Un autre a été racheté par le sang de l'agneau. Un autre a été sauvé de la main des démons par le sang de l'agneau. Un autre a été sauvé de l'enfer par le sang de Jésus-Christ. N'ayez jamais honte de faire appel à la puissance du sang de Jésus-Christ. Son avait été versé il y a de cela presque 2000 ans afin de laver nos péchés, et son sang n'a jamais perdu sa puissance jusqu'à présent. Jésus a conquis le diable, une fois et pour toujours lorsqu'il s'offrit lui-même, Hébreux 7, 2,7, et alla à la croix pour nous. Christ est descendu de la gloire. Il est né d'une vierge. Il donna sa vie afin que nous puissions être rachetés par son sang précieux. Il fit ceci afin que nous n'ayons pas à aller en enfer, à cet endroit affreux qu'il m'a montré. Chers amis, l'évangile est vrai. Que j'étais joyeuse lorsque je vis les anges effacer toutes les anciennes histoires de la pile de livres. Ils ont effacé l'ancien passé, les anciens péchés, et toutes les choses sales. Toutes choses anciennes étaient parties, le sang de Jésus les a toutes éradiquées. L'autel de Dieu. J'aime les autels de Dieu. Lorsque je vais dans une église remplie de l'Esprit qui a un bel autel, je sais que plusieurs larmes ont été déversées là-bas. Dans l'Ancien Testament, Dieu a commandé de manière répétitive à son peuple d'entrer et de détruire les anciens autels. Voici un exemple. Et vous démolirez leurs autels, et vous briserez leurs statues, et vous brûlerez au feu leurs aères, et vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel, votre Dieu. Deutéronomie 12 sur 3-4. Le peuple de Dieu devait détruire tous les autels pécheresses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Il devait enlever tous les autels qui n'honoraient ni ne vénéraient Dieu, et alors, il devait construire et préserver les autels pour l'unique raison d'adorer Dieu. Voici un exemple de ces instructions. Rien que Jésus peut le faire pour vous. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. Et il arriva, en cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, « Prends le jeune taureau qui est à ton père et le second taureau de 7 ans, et tu renverseras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas la haie qui est auprès, et tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, sur le sommet de ce lieu fort, avec l'arrangement, convenable. » Et tu prendras le second taureau, et tu l'offriras en holocauste sur le bois de l'aer que tu auras coupé. Juges 6h25-26. Les autels d'aujourd'hui. Lorsque je prêche dans des services à travers le pays, je pense à l'autel de Dieu. Lorsque nous venons devant l'autel d'une église et nous abandonnons et confions totalement à Dieu, nous n'avons pas honte de lui. Un autel dédié est l'endroit par excellence où nous pouvons être dans la présence de Dieu, où on peut faire appel à lui et confesser nos péchés, lui demandant de nous pardonner. Plusieurs d'entre nous ressentent sa présence là. Nous pouvons savoir qu'il répond à nos prières. Par moments, nous pouvons sentir ses bras autour de nous.
Il y a quelque chose de merveilleux concernant les autels, les anciens autels de Dieu dans les églises. Là-bas, vous pouvez y aller et vous agenouiller et simplement louer le Seigneur. Vous pouvez aussi louer Dieu à la maison. Vous pouvez aussi le faire dans votre voiture. Vous pouvez le louer n'importe où. Cependant, laissez-moi vous dire quelque chose, l'autel est définitivement l'endroit idéal pour un rendez-vous pour communier intimement avec lui. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament construisaient un autel pour Dieu, ils criaient et se repentaient aussi non seulement de leurs propres péchés mais aussi des péchés du peuple. À l'autel, ils se repentaient et offraient des sacrifices de sang de la part du peuple, et Dieu acceptait leurs sacrifices. Puisque Christ a fait l'ultime sacrifice pour nos péchés à travers son sang versé, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices. Cependant, nous avons toujours besoin de nous repentir lorsque nous avons la conviction du péché, et l'un des meilleurs endroits pour faire cela, c'est à un autel. Lorsque nous voyons l'autel d'une église dédiée, nous devons nous agenouiller à cet autel et prier à Dieu, si cela est possible. Avoir un autel a une si grande signification, nous avons besoin d'un autel dans nos maisons, afin que l'on puisse parler à Dieu et avoir un endroit pour être avec lui. Lorsque je prêche, je dis toujours aux gens, n'ayez pas honte de venir à cet autel. Ici, Dieu vous rencontrera. Oui, il peut vous rencontrer dans votre siège. Néanmoins, il y a quelque chose en ce qui concerne un autel sanctifié très souvent utilisé où vous pouvez vous humilier, lever vos mains, et dire, Dieu, me voici. Prends-moi, utilise-moi pour ta gloire. L'adorer sincèrement. Vous devez vraiment être sincère de tous vos cœurs à propos du sujet pour lequel vous priez. Dieu recherche des gens qui vont l'aimer et le louer. Dieu recherche des gens qui vont se détourner de leur mauvaise voie et retourner à lui. Il recherche des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. 2 Chroniques 7h14. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4h23-24. Soyez honnête avec Dieu. Soyez sincère avec Dieu. Lorsque vous allez à l'autel, ne vous agenouillez pas et dites « Betty a mal agi » ou « Joe a mal agi ». Dites « Dieu, je suis celui ou celle qui a péché. Je suis ici dans le besoin d'être pardonné. Alors, pardonne ceux dont vous avez quelque chose contre, pardonne-les. » Saint, le Seigneur recherche un peuple de délivrance, afin que les yeux des aveugles s'ouvrent et que les oreilles entendent ce que l'Esprit du Seigneur dit ou communique aux églises. Apocalypse 2:7. Oh, la gloire du paradis! Si vous pouviez seulement voir ce qui vous attend là-bas. Nous traversons beaucoup des épreuves et des tribulations chaque jour de nos vies. Souvent il semble que l'ennemi semble essayer de tout nous voler, mais Dieu nous donne la patience d'endurer, et ultimement la victoire. Il y a plusieurs pressions de la vie, mais en notre Seigneur il y a la paix et la sécurité. Si vous n'avez pas une bonne, solide église, je vous recommande vivement de chercher une église qui prêche la vraie parole de Dieu et croit en la puissance du Tout-Puissant qu'elle transforme les vies et les cœurs. Trouvez une église qui croit en la puissance du Saint-Esprit. Là-bas l'on vous enseignera la sagesse de Dieu et vous pourrez être délivré de vos troubles, de vos douleurs et de vos chagrins. Vous savez, il est très important de fréquenter l'assemblée du peuple de Dieu. La Bible nous demande de nous assembler ensemble, Hébreux 10h25. N'essayez pas d'être tout seul. Dieu vous aime, et il y a des saints de Dieu qui vous aiment aussi. Gloire à être révélée. Une autre partie des gloires du paradis comprennent certains des mystères qui doivent être révélés. Je ne fus pas permis de les voir. Cependant, pendant l'un des voyages, je vis de belles maisons et châteaux. Ces parties semblaient passer très rapidement. Puis je fus emmené où je vis les anges vaquer à toutes sortes de tâches. Ils semblaient être en train de venir de la terre de manière ordonnée, et ils entraient dans la barrière avec des papiers dans leurs mains. Souvent, les anges avaient des livres dans lesquels ils avaient écrit. Ils allaient à certains endroits du paradis avec ces rapports. Alors les rapports étaient enregistrés dans des livres, afin de garder un rapport des rémunérations des saints. Lorsque vous irez au paradis, vous serez rémunéré pour quoi que ce soit que vous faites pour le compte de Jésus-Christ. Ceci c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre. J'écris les visions que j'ai eues du paradis pour le compte du Seigneur et pour sa gloire et son honneur.